localisation d'une panne électrique. Installation année 1980-1990. Dans cet article, je vais vous démontrer comment procéder pour localiser une panne électrique sur une installation ancienne des années 80-90. Elle sera probablement équipée d'un disjoncteur de branchement de 500 mA de ce type. C'est à cette époque qu'est devenue obligatoire pour la protection des personnes la présence d'au moins un interrupteur différentiel de 30 mA. C'est aussi à cette époque que les disjoncteurs divisionnaires ont fait leur apparition. Ils ont remplacé les porte-fusibles moins pratiques et moins précis. Nous aurons donc, sous la protection de cet interrupteur différentiel 30 mA, une série de disjoncteurs divisionnaires. Il y a plusieurs causes possibles d'une panne sur cette installation électrique. La première, le disjoncteur de branchement principal a déclenché, mais l'interrupteur différentiel 30 mA et aucun des disjoncteurs divisionnaires n'ont déclenché. Dans cette situation, deux cas sont possibles. Le premier, il peut s'agir d'une surcharge de consommation sur l'installation. Le deuxième, il peut s'agir d'un phénomène électrique extérieur dû à un orage. Pour le savoir, il faut mettre dans un premier temps tous les disjoncteurs divisionnaires en position off. Ensuite, armer le disjoncteur principal de branchement. S'il ne tient pas enclenché, alors que toute l'installation est en position off, soit le disjoncteur de branchement est défectueux, soit c'est un problème de neutre. Il faudra à ce moment-là faire appel à un électricien. S'il tient enclenché, on continuera en armant l'interrupteur différentiel. Ensuite, on armera tous les disjoncteurs divisionnaires lentement l'un après l'autre. Si tout fonctionne de nouveau, c'est qu'il s'agit certainement d'une surcharge ou d'un phénomène extérieur. Deuxième possibilité, l'interrupteur différentiel 30 mA seul a déclenché. Première chose à faire de nouveau, c'est mettre tous les disjoncteurs divisionnaires en position off. Ensuite, on arme l'interrupteur différentiel. Puis, on arme tous les disjoncteurs divisionnaires lentement l'un après l'autre. Si rien ne se passe, il s'agit certainement d'un défaut de contact. En effet, certains appareils munis de résistance et de thermostats électromécaniques, tels que chauffe-eau, chauffage, fer à repasser, grille-pain, bouilloire, etc., ont la faculté de faire réagir les différentiels 30 mA lorsque leur thermostat déclenche de façon trop lente. Si cela se reproduit trop souvent, il faudra déterminer l'appareil en cause. Troisième possibilité, seul un disjoncteur divisionnaire a déclenché. Il peut s'agir, dans ce cas, d'une surcharge de consommation. Exemple, plusieurs appareils alimentés par cette ligne se sont mis en fonctionnement simultanément, provoquant une consommation dépassant la capacité du disjoncteur divisionnaire. Pour le vérifier, il faut déterminer tous les circuits et appareils alimentés par cette ligne. Ceci fait, on les débranche tous. Ensuite, on réarme le disjoncteur divisionnaire en question. Puis, on rebranche les appareils en commençant par les plus importants et en respectant un temps d'attente entre chaque rebranchement pour ne pas provoquer le même phénomène de surconsommation. Si, en branchant un des appareils, le disjoncteur divisionnaire déclenche de nouveau, il se peut que l'appareil soit défectueux et qu'il provoque un court-circuit. Il faudra alors réenclencher le disjoncteur divisionnaire et essayer de brancher de nouveau l'appareil en question pour vérifier qu'il est bien hors service. Voilà, ce n'est pas compliqué, ce n'est qu'une question de méthode et de procédure. Cette vidéo vous a été utile ? Un petit clic sur j'aime, ça fait toujours plaisir. Pour plus de précisions,
Rendez-vous sur les blogs bâtir-sa-maison-overblog.com ou bien bâtir-sa-maison.net. Abonnez-vous pour être informé des futures publications.